Bonsoir ma cocotte et bonsoir tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Stranded Raft. Vous savez, notre petite aventure modée, notre graine d'aventure. Et voyez que franchement c'est super classe, j'ai mis un pack de textures comme vous me l'avez conseillé et franchement je le trouve mais super classe. J'ai mis des nouveaux shaders et je rêve ou c'est un truc de Star Wars qu'il y a devant? C'est pas RP tout ça là? Si? Eh bien écoutez, c'est parfait, ce sera Mister Wars, Miss Stranded Deep. Ça fera très bien l'affaire comme ça. Franchement, moi je trouve ça classe. Et regardez, le jour se lève. Vous entendez peut-être mon cœur battre. C'est qu'en fait, j'ai rajouté des nouveaux modes. Vous allez voir que maintenant, il y a plus de challenge. Il va y avoir un peu plus de difficultés. Puisque maintenant, nous avons la soif à gérer. Nous avons la chaleur, le froid à gérer. Et nous avons également la fatigue. Et comme vous pouvez le constater, je suis très fatigué. Vous voyez que pour casser un bloc de sable, par exemple, ça va être très lent. I'm freezing and I'm levati hypothermique. What? Je suis en train de rentrer en hypothermie. Donc là, pour soigner tout ça, histoire de ne plus être fatigué, histoire de ne plus être lent, il faudrait tout simplement soit que je me fasse un feu et que je me réchauffe un peu, ou alors que je dorme dans un lit bien douillé que je n'ai pas. Voilà, tout simplement. Parce que regardez, dès que j'appuie sur E, vous voyez que ma fatigue, elle est niveau 2, ma faiblesse est niveau 2 et ma lenteur est niveau 3. Oui, effectivement, on est bien lent, mon vieux. Ça va être chaud, hein. En tout cas, vraiment, merci tout le monde pour tous vos commentaires, tous vos likes, vos partages sur la vidéo. Ça me fait super plaisir. Vraiment, merci tout le monde. Si on pouvait faire péter la barre de likes pour cette vidéo, histoire de me dire que vous êtes chaud pour la suite, franchement, ça me ferait super plaisir. Et moi, je suis ultra chaud pour la suite. Et regardez, on a des petites cocottes, ils sont pas magnifiques? On peut même pas les taper, on est tellement fatigué, mon vieux, laisse tomber. Donc, j'ai rajouté bien sûr des petits modes pour qu'il y ait un peu plus d'hostilité maintenant sur les îles, autant sur les îles que sur l'océan. Maintenant, on est censé trouver des piranhas, des requins, éventuellement d'autres créatures aquatiques. Donc ça pourrait être plutôt sympa. Et j'ai faim, j'ai soif, c'est un truc de malade. Ce qu'on va faire, les gens, pour commencer cet épisode, nous allons tout simplement nous faire un petit enclos pour accueillir ces deux petits poulets là-bas. Enfin, j'en vois qu'un, mais j'en ai vu deux tout à l'heure. Alors, attendez, je vais retourner tant bien que mal à la cabane. Vous voyez que j'ai quelque peu modifié la maison. Donc, très légèrement, en fait. J'ai trois fois rien modifié, quoi. On va se faire une petite barrière pour nos poules. Alors aussi, également, je tiens à remercier Matt qui nous a fait un petit skin. Il est vraiment de toute beauté. Notre bonhomme est vraiment super content d'être perdu sur l'île. Ça lui fait bien plaisir, apparemment. Et regardez qui nous avons dans le dos. Eh oui, c'est bien elle. Vous l'avez reconnu. C'est Marie-Madeleine, franchement, il l'a super bien fait, c'est un truc de fou. En fait, j'avais demandé sur Twitter si quelqu'un pouvait me faire un petit skin aventurier. Donc voilà qui est fait, vraiment merci à toi. Et merci également à Gamecash qui m'en avait fait un. Mais Matt avait été un peu plus rapide. I'm déshydrated. Ah ouais mon vieux, tu m'étonnes. On a faim, on a soif, on est fatigué, on est lent, la totale. Je vais aller chercher une petite graine de blé, histoire d'accueillir mes poules. Alors déjà, attendez, on va se faire un petit enclos comme ça, juste à côté. Voilà, ils vont être très bien là-dedans. C'est histoire d'avoir une petite réserve, vous voyez? Donc ça, hop, on va mettre un petit portillon juste ici. C'est magnifique. Et hop, merde, il va m'en manquer un, j'en aurai pas assez. Ma fatigue est partie. Elle vient de partir juste à l'instant. Ok, d'accord, donc va falloir quand même que je soigne tout ça. Hein. Alors attendez, du coup, il va nous falloir du bois. On n'a plus de bois du tout. En attendant, par contre, je vais faire chauffer la ferraille. On va se faire des petits lingots de ferraille, histoire de se faire des outils un peu plus, vous voyez, un peu plus badass, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous trouvez mon nouveau pack de textures. Franchement, je le trouve juste génial. Une petite dédicace à Alexandre aussi, qui m'a bien aidé, franchement. Alors ce qu'on va faire, les gens, c'est que là, on va se couper un petit peu de bois. Ah ouais, par contre, on est quand même très fatigué. Hein. On est très, très fatigué. Ça va être long de couper un bloc de bois. Eh ben mon vieux, je peux vous dire qu'il faut pas être pressé, hein. Enfin, déjà, hop, petite hache, ça c'est nickel, yes, impeccable. Vous pouvez également voir qu'on s'est crafté une petite canne à pêche. Ah oui, je voulais faire un portillon, c'est vrai. Donc normalement, si je fais ça, crac, impeccable. Ça, c'est parfait. Alors en principe, je devrais avoir une petite graine de blé. Oui, qui est juste dans mon inventaire, c'est parfait. Voilà, on va mettre ça. Vous voyez que j'ai également des petites fioles. J'en ai fabriqué avec le verre. Encore une fois, sous vos conseils dans les commentaires. Vraiment, merci. Hein. Ça me fait super plaisir, tous les conseils que vous me donnez. J'ai vu que vous nous avez donné beaucoup d'objectifs. Donc vraiment, ça va même être chaud de tout réaliser. Viens ma cocotte. C'est bien les graines de blé pour attirer les poules. Oui, oui, venez mes cocottes. Voilà, oui, tu vas être bien là. Voilà, hop, on ferme. On va laisser ça là. Et on va aller chercher sa copine. Ou son petit copain. On sait pas trop. Allez, viens ici. Oh putain, ça va commencer à faire nuit en plus. Allez, hop. Viens là. Voilà, viens là. Voilà, impeccable. Nickel. Et maintenant, faites des gosses. Allez, vas-y. T'as intérêt, hein. On va aller chercher d'autres graines de blé. De toute façon, ce qu'on va se faire, c'est un petit champ de blé. Ça va être cool. Aujourd'hui, objectif, culture, ferme et tout ce qui va avec. Ça va être impeccable, vous allez voir. Par contre, ça me perturbe la lune Star Wars. C'est pas très RP tout ça. Alors également, c'est vrai que la dernière fois, on m'a dit, pour ce qui est de la vision nocturne et qui marchait pas,
C'est tout simplement parce qu'apparemment les shaders ne sont pas compatibles avec la vision nocturne. Mais c'est pas grave, je préfère garder mes shaders. On va se faire masse de graines de blé comme ça. Hop, ouh, viens ma cocotte. Viens ma cocotte, viens là. Voilà, viens ici, toi on va te ramener aussi à la ferme. Avec tes copines. Tu vas être bien, tu vas voir. I feel seriously cold. J'ai sérieusement froid. Vous voyez que là, j'ai sérieusement froid, j'ai sérieusement faim, j'ai sérieusement soif. Je suis sérieusement dans la merde. C'est un truc de fou, quoi. Par contre, franchement, la lune de Star Wars, là... je sais pas vous, mais moi, ça me perturbe un petit peu. Hein. Je pense qu'on va changer ça tout de suite. On va changer les shaders. Voilà. Et on va plutôt mettre celui-là. Qui est quand même un peu plus classe, vous voyez. Et en plus, on voit un peu plus clair. Ça fait moins lune Star Wars. Ah bah si, ça fait lune Star Wars. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Dans une galaxie lointaine, sur les îles, perdues au loin de Stranded Raft, une cocotte se prenait pour un Jedi. Allez viens, tu vas rejoindre tes potes les Jedi. Regardez comment que c'est trop classe avec les shaders et tout. On voit la galaxie, les étoiles. Bah on est dans le thème Star Wars, hein, mon vieux. C'est parfait. Allez viens ma cocotte. Voilà, impeccable. Est-ce qu'on n'avait pas des fois des blocs de terre dans notre inventaire? Il me semble que si, hein. Oui, on en a 6. Eh bien, c'est parfait. On a une pioche. Ouais, on va peut-être se faire une houe. Histoire de faire un petit peu de culture, voyez. Je lote le fermier toujours sur le coup. Voilà, une petite houe, c'est parfait. On va se faire un petit champ juste ici. Alors également, j'ai retenu dans les commentaires que le radeau de sauvetage du début est en laine. Et qu'on peut se faire un lit avec le radeau de sauvetage. On va retourner la terre comme ça. Voilà, et on va planter les petites graines de blé, voilà. On va tenter de faire des gamins comme ça. Non, non, non. Oh, yes! Non, non. Ok, bon, on en a un, c'est plutôt cool. C'est impeccable. Oui, choye-le comme si c'était ton fils. Ce sera ton fils maintenant. Ce que je vous propose maintenant, c'est le temps que le jour se lève, qu'on aille un petit peu à la pêche. Par contre, maintenant, je vais faire gaffe parce que peut éventuellement y avoir de l'hostilité dans l'océan. D'ailleurs, je suis fatigué. Hop, 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 hop. Voilà. On va pêcher un petit peu. Allez, on va attendre que ça mord. Allez, mort, mort, mort. Oui, on prend. Ceux-là, j'ai tenté de les manger, mais ça t'empoisonne. J'ai tenté de le manger et ça m'a empoisonné. Et j'ai tenté de le faire cuire, il veut pas. Regardez, ça mord, ça mord, ça mord. J'en ai, c'est bon, yes. Vas-y, vas-y. Et une belle carpe en plus dans mon inventaire. Je prends. Et une sardine. Qui a commandé une sardine? Et un carpaccio de saumon pour la 12. Allez, on rentre sur l'île. Oh là là, comment que ça déchire, quoi. C'est magnifique. Hop, 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 hop. Arrête-toi, voilà, c'est bon. Nous, on va aller faire cuire tout ça. Alors, on va peut-être se mettre bien, là. Voilà, c'est parfait. On récupère tout ça. On va également purifier un peu d'eau. Est-ce qu'on va récupérer un peu de patates, là, si on mange tout ça? Je pense que oui. J'en ai encore un à manger juste ici. Hop, parfait. Un saumon cuit. C'est bon, ça. Nickel. On va également remplir des... What? Ah oui, putain, on a soif. Oui, oui, merde. Oh, ouais, je suis dans le mal, là. Je suis dans le mal, là, mais je vous raconte même pas, là. Oh, putain. Ouais, ouais, on est ultra mal. On va purifier un petit peu d'eau. Ça va être nickel. Voilà, on va boire celle-là. Voilà, on commence déjà à se mettre un peu mieux, déjà. Vas-y, purifie-moi ça. Voyez que là, c'est déjà un petit peu plus compliqué, hein. On rentre un petit peu plus dans le thème de la survie, j'ai envie de dire. Par contre, comment faire un briquet? Il me semble que c'est un truc de ferraille et un silex. Bien entendu, je n'ai pas de silex. On va se faire un petit seau également. Ça va servir. Le seau, je crois que c'est ça. Impeccable. Voilà, et on va se faire une petite source d'eau infinie pour arroser le blé, tout ça, tout ça. J'arrive, mes cocottes, j'arrive, j'arrive. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir du silex, justement? Parce qu'il me semblait que c'était dans le gravier, le silex, non? Je voudrais bien qu'on se fasse un petit briquet. Ce serait plutôt cool. Oh, yes, ça, c'en est du silex. Comme ça, on va pouvoir faire un feu, histoire de se réchauffer un petit peu. Pour faire un briquet, il me semble que c'est... Voilà, c'est ça, le briquet. Voilà, on va se faire un petit feu juste ici. Normalement, ça devrait marcher. Yes, impeccable. Alors... Dis-moi que la faiblesse, la fatigue et tout, ça remonte. Non, bah non, je vois pas pourquoi un feu, ça remonterait tout ça. Faudrait plutôt que je dorme. Oh, what? What? Ce délire? J'ai cramé à côté de mon feu. Ah bah d'accord, ma base. Merde. Ah ouais, laisse tomber, je suis en train de cramer ma base. Oh, le délire. Ah, j'ai pas pensé à ça, moi. Ouais, j'ai pas pensé qu'il y a tout qui prendrait feu. On va dire que c'est une vie qui compte dans le vent un petit peu. On va pas la compter, celle-là. Mais au moins, vous voyez... Oh non! Non! Attendez! Oh non, ce délire! J'ai pété ma base, quoi! Oh merde! Attends, si tu pouvais arrêter de prendre feu, s'il te plaît. Ah bah maintenant, il y a un sacré courant d'air. Ça fait une belle entrée. J'ai pas pensé que ma maison était en bois, moi. Mais par contre, on se donne quand même qu'une vie. C'est-à-dire que si je meurs de soif, de faim,
Si je me fais bouffer par un requin ou quoi, ce sera fini. Cette fois-ci, on fait pas les fous, on va se faire un petit feu sur la plage. Comme ça, ce sera nickel. Voilà, on va se mettre un petit bloc de bois ici. Ce sera notre feu. Voilà, tiens, d'ailleurs, on va l'allumer parce que ça va bientôt faire nuit. On va réparer la base. Ne vous en faites pas. Voilà, impeccable, nickel. Et bah, c'est comme neuf. On dirait qu'il s'est jamais rien passé ici. Ah si, juste ici, j'avais oublié. Voilà, là, c'est bien. Bon alors, écoutez, là, je pense que l'objectif principal... c'est de trouver des matériaux pour se faire un lit. I feel cold. Ah merde, j'ai froid. Bon, attendez. On va se faire un petit feu, tranquillement. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, parce que le sable, ça prend feu. C'est pas très RP, tout ça. Je me réchauffe un petit peu. Attendez, j'espère que ça va pas se propager quand même jusqu'à ma maison, non? Non, ça devrait pas. C'est bon. On va donc se faire un petit radeau. Eh ben, j'en ai un. C'est parfait. Alors, le radeau, à chaque fois, il est tout le temps en train de se barrer quand tu descends. Ça, c'est chiant. Donc, ce qu'on va faire, on va se faire une espèce de petit port de plaisance. Ça va être magnifique. Comme ça, on garera notre bateau juste ici. Voilà, nickel, regardez. C'est impeccable. Alors les gens, cette île, on l'a déjà visitée. D'ailleurs, la dernière fois, si vous vous souvenez bien, on a mis un pilier avec une torche dessus. Donc c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter celle-là là-bas. What? Oh non! Pas lui! Lui, il est pas RP, lui. Lui, il est vraiment pas RP. En plus, il m'a pété mon radeau, l'enfoiré. Attendez, d'où t'as des piranhas qui jettent des rayons laser, quoi? Bah, tu me diras, on a bien le truc de Star Wars là-haut, donc... Y a plus grand chose qui m'étonne, mais quand même. Oh, c'est un truc de dingue, quoi. Va falloir qu'on se fasse une armure aussi. Ce serait pas mal, un de ces quatre. Nous, on va aller visiter cette île là-bas. Alors, attendez, parce que je regarde s'il n'y a pas l'autre poisson, là. Ce qu'il y a, c'est que je suis pas... je suis pas spécialement bien stuffé, quoi. Si je tombe sur l'autre poisson avec ses rayons laser, on est foutu. Attendez, on va voir s'il y a juste un coffre dans le coin, là. Allez, on tente. On tente, on tente, on tente. Vas-y, il y a un coffre juste ici. Un disque. GG, on pourrait écouter de la musique. Allez, on va aller visiter cette île. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Je vois qu'il y a un bateau juste derrière. Voilà, on va descendre. Vous voyez, c'est ça qui est chiant. À chaque fois que tu descends du radeau, le truc il se casse, mais laisse tomber quoi. Ça. Ouais, on va récupérer des petites plantes comme ça. Ça peut toujours être sympa. Ouh, ça commence à faire jour. Impeccable. On a un bateau juste ici. Ah, ce que j'aurais dû faire, c'est une paire de ciseaux. Ça, on me l'a beaucoup dit aussi, hein. Ah, mince, mince, mince. On aurait dû faire ça. C'est pas grave. Histoire de couper les lianes. Ah ouais, je suis assez fatigué. Donc ça va être assez long pour couper les blocs du coup. Est-ce que ça, c'est pas de la laine des fois? Ouh, ce je prends. C'est joli. Alors attendez, c'est quoi? Tapis rouge. C'est pas vraiment ce que j'espérais, mais pourquoi pas. Bah tiens, on va prendre les tapis blancs, les tapis rouges et on va prendre tout ce qui va avec. Et on va aller visiter un petit peu la cale du capitaine. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver là-dedans? 12 pépites d'or. On prend... deux coffres ici. Verru du Nether, je prends. Un bouquin, je prends. C'est vrai qu'on peut très vite s'ennuyer seul sur une île. Il y a un coffre là-dedans. Alors attendez, hop, on va passer là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un disque. GG, ouais. C'est pas vraiment ce que je voudrais trouver. Ouh, un radeau. Ça par contre, on prend. On va tenter de voir si je peux récupérer des petites graines de blé. Oh yes! On va pouvoir agrandir notre champ de l'autre côté. Oh putain, c'est pas vrai. Ça se met à pleuvoir. Mince! On va continuer de faire un petit peu le tour de l'île. Ce qu'il y a, c'est que notre inventaire... il commence à être vachement plein. C'est de la ferraille, ça. Merde, on a même pas de pioche, quoi. On va se faire un petit établi. C'est vraiment un truc de secours. Et on va se faire une pioche. Voilà. Nickel. Ouah, on est fatigué, mais à mort, quoi. Bon, laisse tomber. Ça va être trop long de couper les blocs, là. Ce qu'il nous faut, c'est de la laine. Et du coup, je pense qu'on va pas avoir le choix. Va falloir déchirer notre petit radeau jaune. Parce que là, depuis tout à l'heure, on fait un peu le tour. On trouve rien. Ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais prendre. Je pense que je vais prendre de la laine sur le radeau jaune. Je vais essayer de pas le casser. De toute façon, je vais forcément le casser. Mais on va faire ça proprement. Et on va tenter d'aller se reposer un peu. Histoire de faire descendre la fatigue. Voilà. I feel seriously cold. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. J'en doute pas une seconde. Voilà, nickel. On va aller se mettre au chaud, bien gentiment. Oh putain, attendez, j'ai pas de l'eau sur moi. Merde, 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 remonte. Oh, puis on a soif, on a faim, la totale. Lâche-moi, toi, avec ton rayon laser, là. Vas-y, casse-toi. Attendez, c'est pas RP, ça, un poisson qui te jette des rayons laser, là. Voilà, nickel. Hop, impeccable. Comme ça, notre ado, il reste en place. Oh non, mais c'est pas vrai, ça. On a soif. Vas-y, vas-y, fais cuire de l'eau, là. On a soif, on a faim. Il y en a une de vous qui va passer à la casserole dans pas longtemps, là. Je suis désolé, mais on n'aura pas le choix. Hein. Bois, bois, bois. Voilà, oui, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Le délire, c'est que t'as tout le temps soif et t'as tout le temps faim, quoi. Donc alors, est-ce qu'on peut se faire un petit lit? Est-ce que si je fais ça, ça marche? Oui. Où est-ce qu'on va mettre notre lit? Bah, on va le mettre... là, c'est bien. Allez, vas-y, dors. Vous ne pouvez dormir que durant la nuit. Bah attends, tu rigoles, toi. Tu rigoles, putain. Je suis fatigué, mon vieux, là. Laisse-moi dormir. J'ai au moins le droit de faire une sieste, non? Ça craint, quoi. Je suis désolé. Mais il y en a une de vous qui va passer à la casserole. Allez, vas-y.
Récupère-moi ça. Tiens, toi, là, tu m'as l'air bien grasse et bien charnue. Viens ici. Viens ici, saloperie. Toi aussi, t'es bien grasse, là. Voilà. On est trop lent quand on est fatigué et tout. Laisse tomber. Ah, miam, 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 miam. Effectivement, t'étais bien charnue, hein. Ok, c'est bon, on s'endort. Journal de bord d'un aventurier. Cela fait maintenant plusieurs jours que je suis tout seul sur cette île. La nourriture se fait rare. J'ai faim, j'ai froid, j'ai soif. Et ce putain de four met trois plombes à chauffer mon eau. Mais enfin, mon vieux, quand même. On n'a rien à manger, c'est la misère. Il y a un truc que j'ai pas fait, par contre. Attendez, on va prendre notre bateau. Bon, bah voilà, il est mort. C'est pas grave, on en a un autre là-bas. Est-ce qu'ils sont solides, les bateaux, dans Minecraft, mon vieux? Il y a un truc que j'ai pas fait, c'est mettre une torche là-bas sur l'île. J'ai complètement zappé. Allez, vas-y. Let's go. What? Jonathan s'est fait tuer par un gardien avec un sort. Non, mais attends, mais... Attends, c'est pas RP, les gens, c'est pas RP. Qu'est-ce qu'un gardien fou avait à me jeter un sort en plein milieu de l'océan? Non, je suis désolé, non. Je suis désolé, c'est pas RP, je suis désolé, c'est pas RP. Alors certes, j'ai dit qu'on se donnait qu'une vie, mais si on meurt de froid, si on meurt de faim, si on meurt de soif, pas si on se fait tuer par un putain de gardien qui nous jette des rayons laser en plein milieu de l'océan. Non, non, je suis pas d'accord, non, c'est pas RP. Quand on aura une mort digne de ce nom, bien RP, là, il y aura pas de souci. Oh non, mais c'est quoi ces gardiens, ça? Je vais l'enlever, ce mode de gardien de merde, là. Attends, le truc, il jette des rayons laser en plein milieu de l'océan. Non, mais t'as jamais vu ça, quoi. Non, 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 je suis désolé. Moi, je récupère mon inventaire. Non, 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 non. Il s'est rien passé. Non, mais le gardien, gardien, gardien. Gardien, non, mais attendez, regardez. Ça existe, un truc comme ça, là? Ça existe, ça? Et on va faire ce qu'on avait dit. Voilà, c'est-à-dire que nous, on va aller sur l'île en face et on va aller poser une torche. Un gardien, quoi. Bah, c'est la meilleure, celle-là. Ce serait un requin encore, je dis pas. Mais un poisson qui jette des rayons laser dans la tête, là, à longueur de journée. Non, 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 moi, je suis pas d'accord, hein. Et bien sûr, notre bateau, il se barre à chaque fois. Voilà, regardez ce qu'on va faire. 1, 2, 3, 4, impeccable. Et on va mettre une torche sur le bout. Crac! On sait qu'on l'a visité, celle-là, voyez? On va se diriger sur cette île, juste en face. Nous, notre île, elle est là-bas, derrière. Ce bateau, on l'a visité, c'est bon. J'ai l'impression qu'il y a une île là-bas avec un coffre. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des îles partout. Attends, stop, 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 stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette île chétanisée, mon vieux? Manquerait plus que je me fasse tuer par là. C'est quoi ça? Vas-y, donne-moi ça. Je prends. Un crâne de squelette. Il y a quoi là-dedans? Un livre. Journal par Ronald. Original. Ah ouais? Et là-dedans, il y a quoi? Un os. Ça, ça va être cool pour faire pousser notre blé un peu plus vite. Oh, attendez, attendez, attendez. Il y a du bambou. What? C'est quoi ça? Putain. On a soif. On a soif, on a soif, on a soif, on a soif. On n'a rien pour purifier l'eau. Mais c'est pas grave. On peut boire comme ça. Sauf que ça régène pas plus qu'une bonne bouteille d'eau bien purifiée, vous voyez. Voilà. Mais on peut boire comme ça. Voilà, ma fiole est vide. On la remplit. Et on est reparti. Ça, ça va être cool. Ça, on prend par contre. Oui, je prends, je prends, je prends. Oh là là, regardez ça, il est tellement magnifique ce coucher de soleil. Non mais regardez, c'est un truc de fou, il y a encore des îles derrière et tout quoi. Faudrait vraiment qu'on chope une boussole, ça, ça pourrait nous servir. Voilà, impeccable, on va rentrer chez nous. Hop, 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 hop. Impeccable, voilà, on se garde. Nickel. Bon écoutez les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode sur Stranded Draft. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et j'ai relevé quand même un des plus gros objectifs qu'on m'avait laissé dans les commentaires. Soit faire un petit élevage de poulets, de la culture avec du blé et tout ce qui va bien. On a exploré les îles aux alentours. J'attends vos prochains objectifs dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Et ciao tout le monde, bye bye!